Sauvegarde. Ah, je crois que t'étais en train de sauvegarder. Donc les amis, hein, c'est toujours la Dream Team, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 2 du coup de l'épisode 8. On a relancé carrément le jeu, hein, parce que c'était juste horrible. Je pouvais rien faire, je faisais des pointes au sommoir à 35 km/h. Donc, un peu compliqué. Donc on a relancé le jeu, et là, on a après un quart d'heure de test. Ça marche, donc on va reprendre le live. Comme on vous avait dit qu'on allait attaquer les animaux, donc là on a fait. On a pressé un peu en off le 4. Ouais, voilà, tu le mets à côté ici. Ouais, voilà, ouais, voilà, comme ça le fou, je le mettrai à droite. Puis, voilà. Donc voilà. Continuez ça. Oui, ça va, je suis habitué. Je suis habitué à l'autoload. Et donc du coup, maintenant on va faire comme ça, on va faire en fait un live. Un live du coup sur farming ou sur d'autres jeux. Sauf que. Les lives en fait se feront en deux temps, donc on fera deux fois une heure et quart, enfin deux fois une heure et demie de live, comme ça on arrivera sur un total de 3 heures de live au total, donc ça sera déjà plus agréable à regarder, et un peu plus de contenu quoi. C'est bon, j'ai compris, je me sors. Si. Donc du coup voilà, hein, c'est un peu l'idée qu'on a discuté tout à l'heure. Hop, pardon. Fait m'écraser en plus. Donc voilà, hein, c'est un peu l'idée qu'on a pris, hein, avec Bicoud en off. Non, on en fait en fait. Donc on fait le live. Donc mettons parti. Donc bah comme là, on va prendre l'exemple de ce soir. Il y aura carrière team S, donc team carrière de la team suivie. Donc épisode 8 et il y avait partie 1 et là on fait partie 2. Donc du coup pour pouvoir avoir 3 heures de live, mais en coupé en fait. Ça au moins ça fait pas trop long. Pour les personnes qui regardent sur YouTube, ça fait deux fois 1h30. Et puis pour nous, ça nous permet de faire une petite pause. Une petite pause entre les deux. Et voilà quoi. Donc voilà quoi. J'espère que l'idée vous plaira. De voir ce que ça va donner. Mais je pense que ouais, ça peut être sympa de faire deux fois 1h30. Ça vous proposera plus de contenu. Et permettre de souffler. De faire 6 ou 7 heures de live comme on avait fait. Donc deux fois 1h30, je pense que c'est pas mal, ça fait un cumul de 3 heures par jour en guise de contenu. Je pense que c'est pas mal, ça permet de vous donner l'évolution de la partie quoi. Donc c'est assez cool. Entre parenthèses, mon Vario il est à 20h quand même. Ah, l'auto-chargeuse pour le reste. Ouais. Et donc du coup, hein, on a semé le 1 au bout là-bas et le 15 ici, hein, en off. Pour pouvoir avancer et tester un peu le réseau. Donc là, ça va mieux. Même pour moi, hein, clairement. Même pour moi. Hein. Plus agréable. C'est tout à l'heure, ouais, c'était carrément injouable.
T'auras peut-être même un troisième plateau. T'auras peut-être même un troisième. On serait ravis de la place. Ouais. De toute façon, si on arrive à faire les cochons justement aujourd'hui, il va en falloir ça. On va les déplacer. Tu sais quoi, tu m'occupes de plateaux de vache, et le reste tu me couches. Ok. Ah, je suis à 12, je sais pas combien il va en rester là-haut, mais à mon avis, il va pas rester lourd. Merde. Et encore, je suis même pas sûr si j'ai encore. Si j'ai de quoi faire un autre plateau. 2, c'est sûr. 2, oh, peut-être. Ouais, le troisième, 3 pour plein. Ouais, tu récupères 2. Merde. Ça va être dans l'autre. Donc alors, j'aurais... j'aurais 6 balles dans l'autre plateau. 7 balles, pardon. 7 balles. Bah du coup ton plateau là, tu déposes le cochon et le plateau de 7 balles, tu le mettras à la vache. J'emmène le cochon celui-là? Oui. Ok. On va pouvoir aller faire des tours après pour aller rechercher encore des animaux. Donc ça y est, on a attaqué les vaches, hein, les amis. On a tout, hein, je crois. On a le matos pour, on a l'ensilage qui est fertilisé, enfin qui est fini de fermenter. On a foutu de la paille là-bas. Qu'est-ce qu'il nous manquerait? Du foin. Du foin en bois, mais on en a. Il y a le champ, à côté, donc on n'aura pas pour longtemps à le faire. Si juste ça a manqué après, ça va aller vite. Et je te le mets où du coup celui-là? Parce que le problème qui est, il n'y a rien pour le poser là. Il n'y a strictement rien, donc en soi. je te laisse décider, trouve une place. Donc rien de prévu là-bas. Difficilement. Comme ça, juste aller faire un tour à pied, savoir. Donc ça, c'est les cochons ici. Où est-ce qu'on leur donne de la paille? Je sais plus. Il me semble que c'est sur un des côtés ou ici, je crois. Je sais plus. Ici, je crois. Fenêtre d'aide, oui. Fenêtre d'aide. Hé, je sais pas. Si 222, démarre-toi comme tu peux. Ce sera la surprise. C'est ça. Exactement. Dépose-le. Donc, ça, c'est la flotte ici. Ah, à mon avis, ça serait peut-être par là. Est-ce qu'il y a un trailer ici? Ça, c'est la bouffe ici, la flotte là-bas. S'il y en a qui savent hein, sur le live, n'hésitez pas à nous le dire. Hein. Sur cette map-là, on est sur Oregon Stream. Oregon Spring, pardon. S'il y en a, on est au cochon, hein, donc s'il y en a qui savent où est-ce que se situe la paille, ça va être grand plaisir. Ouais, pour moi, je pense que ça soit des ici. Ah non. Intérieur où je suis là. On a vu, ça doit être là-dedans avec la bouffe. La bouffe plus la paille. Ah oui, on avait regardé avec Yosh en France, tu dis que c'était soit là. Bah, moi je vois là, parce qu'après ici. Il n'y a pas de trailer, et le trailer qui est dehors, c'est pour les pour acheter des cochons. Donc. Je vois pas perso.
Ok, écoute, c'est pas grave, je vais me mettre Donc ici le long là. c'est soit là où t'es, c'est soit là où je suis, ou soit là-bas. Soit devant la grande. Non, dans le pré, j'ai pas été. J'y étais, y a un. Pour moi, je pense que c'est le deuxième. Donc je vais le mettre ici. Je vais pas le serrer trop par contre. Juste l'écarter un petit peu ici, je viendrai le ramasser au télescope. Donc ça, je vais poser ça là, et après je viendrai le poser avec le télescope, j'en ai pas pour longtemps. Ah, quoique le télescope, je vais prendre le tracteur à mon avis. Télescope, ça fait une trotte quand même. Non, ce que tu feras, c'est que... Enfin oui, tu prends le tracteur, mais... Tu prendras le Dutch. Tu iras directement au magasin, tu prends des tours au magasin, au passage, pour l'équiper. Le scénario 9, je crois pas, hein. Le vieux Dutch, celui qui dort depuis le tout premier tracteur qu'on a eu de base. L'Agrostar, t'es sûr qu'il a l'autochargeur dessus? Je crois pas. Hein. J'ai un gros doute là-dessus. Moi. Ah merde. Oh. Ah mais c'est... Pas dans ton cul. On ment ton cul, on ment dans ta gueule. De plus. Je suis pas un vénère. Juste un homme. Et là, pour le coup, ça fait pas dans ton cul. Et pas dans ton queue, c'est pas grave, gueule aussi. C'est pas grave. Ça sera l'occasion de l'envoyer et puis d'acheter un camarade. Ouais. Et tout petit. Ça va vite à descendre par le chemin là entre le 13 et. Enfin à côté du 22 là. Ah mais ça tombe direct, hein, ouais, c'est un putain de raccourci. Tout à l'heure tu t'es rallongé à prendre. Tu t'es rallongé à prendre le bord. À prendre quoi? Je trouve sympa le corps de ferme des vaches. Tout à l'heure quand on a pris à côté du champ 15. Ouais, bah c'est parce vaches. Que
C'est pas là que je voulais aller au début. L'habitude. C'est à peu près ça. Donc on va l'arrêter comme ça pour l'instant. Il va se descendre tranquillement. Ah, ramasser ça. Ramasser ça. Juste la changer de côté, juste la changer de côté. Il en faudrait pas plus quand même. Il en faudrait pas plus. Pour le fun? Ah non, il y a un pigeon qui passe par là, il se pose dessus, le tracteur il part en soleil. L'avantage de ramasser les balles, de ranger les balles au télescope, c'est que tu vois que pour les aligner c'est plus facile. Est-ce que tu peux allonger la flèche? Ouais, tu me diras, je vais la laisser accrocher dessus la fourche, non? La fourche à balle pour l'instant. On aura avoir besoin. Sur les fans, ouais. Alors, on récupère ça. Donc ça, le plateau, je vais le ramener au 2 là-haut. Par la grange du 2 là-haut. Et puis après. Laisse-le là pour l'instant. Pour l'instant on... Ah oui, on va avoir les balles à faire. Tu m'expliques dans quoi t'as 8 heures? Je sais pas, dans quoi t'as 8 heures? Ah bon? Non, je parle tout seul. Non. J'ai le plateau qui. Je pouvais pas reculer alors que pourtant j'étais pas dans le poteau. Je parle plus le poteau. J'ai vraiment décidé de me faire chier en me disant non, tu t'arrêtes là. Ok.
Donc, Donc. là, on est bon. Donc là, je remonte. Bah, le tracteur, je vais le Là, garder. tu Il est normalement. Allez, c'est t'attaques le là. tracteur à Attends, j'ai juste monté vite fait. Hein. Ramasser les balles là-haut avant qu'elles soient shootées. Télescope, ça va aller vite. D'ailleurs, les moutons, ça en est où? D'ailleurs, les moutons, ça en est où? C'est plein, ok. Du coup, là, je suis en bas ici. En bas ici. Donc du coup, je vais remonter vers les vaches. Je vais Et remonter puis je vers vais les remonter sur vaches. le côté. Je vais m'arrêter au carrefour là-bas, je vais Arrêtez au m'arrouler. carrefour là-bas. Ah ouais, quand tu fauchara, tu Ah ouais, quand fauchara, tu toi. fais Pas le droit de perdre un centime. ça, tu fais non. C'est comme quand je sème le champ. L'entrée du champ fait partie du champ. L'entrée du champ fait partie du champ. C'est pour ça que quand je fauchara, je fais fauchara. Donc ouais, je pense que Donc ouais, il y aura un live bientôt il y aura un live de Assassin's Creed Unity, je vais faire découvrir de en même temps que temps moi. Parce que je le connais pas du tout, celui-là. connais pas du tout. Et j'ai même eu des Et j'ai même eu des comme des cartes postales des cartes postales. avec, tu vois. Avec. Ah Ouais. ouais? J'ai bien kiffé quand même. C'est sympa. Bon, bien évidemment, on a Oh, toujours nos bienvenue. problèmes. Faut Voilà. faire de la place avant de l'installer. Ça, dès que je vais pouvoir installer un disque dur. Ils y avaient cru hein, que j'allais aller dans le J'avais champ. cru, hein, Ouais, non. Regardez le régulateur de vitesse et en haut là, humain, ça marche. Un œil sur la route, un œil sur l'œil sur sur la route.
Bon, maintenant. Bon, on va prendre les deux mains. Hein. Les deux mains. Comment ranger ça comment... Recentrer ça par contre, ça par contre. Donc bien évidemment, faites attention quand vous manipulez les charges comme ça. Hein. Pas y aller comme un taré, ça sert à rien. Ça penche. Vous êtes en train de vous demander ce que je fais. Je vais juste en choper une. Voilà. Et on va aller chercher ensemble, en gros, maintenant qu'on a de la paille. Bah, tout simplement, où est-ce qu'on la donne. Pour moi, je pense que c'est dedans. Hein. On va voir. Voilà, parce que c'est bien ce qu'il me semblait. Vous voyez. Tiens, je te laisse te pop, Bigout. Non, le télisco. Ouais. Ok. Ok, d'accord. Bon, c'est cool. Ça marche. Bon, c'est bien ce qu'il me semblait. Hein. On l'est pas ici. Hein. Donc la paille plus la bouffe, ça sera ici. Hein. Ou passer ici. Yeah. Je pense que pour la bouffe c'est pareil. Je pense que pour la bouffe c'est...
Et donc pour le trou, hein, que, où j'ai pris une balle, vous inquiétez pas, ça va vite être enlevé parce que comme on va les acheter, on pourra en remettre 3 tout de suite à mon avis après. Il y aura déjà de quoi faire. Donc là je redescends ça et puis on va aller rejoindre Bigoud. On va aller faire de la presse. De la presse et germes. Et germes. On va passer dans l'an dernier d'abord. Fané l'herbe ou tu la presse en fond. Justement, ce qu'on va faire, c'est que on va en donner juste de quoi remplir le un plateau d'herbe. Non, même pas. J'ai pas envie de m'embêter. J'ai envie de juste ce qu'on va faire, c'est que j'ai pas envie de stocker trop de balles d'herbe. Ah, oh, tu veux le baigner en vrac d'herbe et de fin. Je vais le baigner en vrac et du coup, comme là on va plus se servir de la chargeuse, et bien la chargeuse servira de silo étant qu'on a trouvé une solution. Cette histoire. Du coup, il faudra faire un calcul pour avoir assez d'herbe, assez de balles dans les trois corps de ferme. Ah, tu veux juste faire un, de quoi en donner un dans ta chargeur d'herbe et le reste en foin? Et le reste en foin. Non, j'ai coupé, j'ai refait. Oui, j'ai refait, est obligatoire sur la route. Même si on est dans un chemin. Moi par contre faut que je retrouve ma maison. Oui. Allez là-bas, faire le tour. Bon. Voilà, on va faire le tour. Voilà. Donc je vous rappelle, hein, on est sans trafic routier, hein, parce que. Sinon ça lag de trop. Bon, puis vu la largeur de la route avec les machines et tout, c'est même pas envisageable. Mais bravo Tam pour le détour. Je me suis trompé de route. J'ai pas pris la première à droite juste après la maison. J'étais tout droit et du coup, je me suis fait avoir. Bon, c'est pas grave. Donc je pense qu'on va faire les animaux et après on va cesser là-dessus. Hein. Je pense que ce qu'on va faire pour au moins pour aujourd'hui, c'est de faire 2 heures, après 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie d'ail. Au total je parle, hein, donc encore un quart d'heure, une demi-heure. Le temps de finir ça et. On partira sur 2 fois 1h30 à partir de demain, demain soir, je pense. Oh, quel bon freinage de Merlot. Bon freinage de Merlot. Je me suis raté juste devant la. Juste devant la fourche à palette. Hop. Alors, chargeuse, non. Je suis avec la chargeuse du coup. Tu pourras en donner direct. Tu pourras faire notre chargeuse.
Faudrait. Donc je prends la faneuse direct. Ouais. Comme ça, moi, ce que je fais, c'est que je t'évite la bande proche de la barrière avec la chargeuse. On va pas être trop gourmand, hein. On va déjà prendre juste la faneuse. Ce sera déjà pas mal. Je commence où du coup sur la route? Là il commence le champ. Ouh, ça se resserre vachement après. Ah les bouges du côté droit du champ. Ah tu peux pas démarrer, tu peux pas faire le. Je peux pas faire la l'entrée du champ. Non. C'est pas bon. Je vais récupérer la charge. C'est ici. Oh le con. Ah j'ai oublié un petit bout du champ. De chercher la faucheuse avant que j'arrive, comme ça se verra pas. C'est ça. Ah, t'aurais pas dû démarrer de ce sens là. Je t'avais fait le bord. Ah, est-ce que t'es en train de la ramasser du coup? Est-ce que je me décale? Bah, du coup, non, il faut vraiment que tu recommences du bout du champ parce que ici c'est là où j'ai oublié le. Mais je vais partir de l'autre côté. Pour 10 minutes, c'est range. Juste, je peux essayer de récupérer les bandes derrière moi vu que je peux pas les prendre. Regarde, celui de l'étal dans le fond, plus loin. À l'entrée du champ, ouais, je peux vraiment pas le prendre. C'est trop large. Large. Dommage. Pierre, je vais te dire, tu le laisses faucher, enfin, tu le laisses faner dans le champ, mais non, si je t'avais besoin. Puis quand ça va repousser, ça va. Pas bien le trou. Ah ouais, c'est pas une bande que t'as laissé. T'as laissé une bande, un morceau. Ouais. Ouais, non, j'ai fini. En fait, j'ai laissé. Ah, t'as fini tout. J'ai... T'as tiré droit et t'as zappé le reste. Non, c'est que en fait, quand tu finis, ouais, quand tu tires droit, en fait, tu le fais en deux parties, en fait, et du coup, j'ai oublié la deuxième partie. Et tout.
Ouais, vas-y, va rattraper tes conneries. Ah, oui. Bon, après, c'est bon, tu peux ralentir un peu, tout le monde l'a vu. C'est bon, tu peux prendre ton temps. Mais... Donc voilà aussi pourquoi on voudrait vous proposer plus de contenu qu'une heure et quart, parce que une heure et quart c'est un peu court pour pouvoir avancer sur la game, même si on le fait en off, vu qu'on prend du plaisir à streamer, c'est pour ça qu'on va faire deux fois une heure et demie, comme ça au moins c'est 3 heures. 3 heures de live, hein. C'est quand même plus intéressant pour nous et puis pour vous aussi. Puis je trouve que c'est déjà pas mal aussi, puisque 3 heures plutôt que 3 heures. Que 7 heures. Que 7 heures. 3 heures en 2 fois 1h30, c'est déjà pas mal. Je pense que ce sera plus facile pour vous à regarder 2 fois 1h30 que 1 fois 7h ou 4h selon les lives. Donc là, live. N'hésitez pas aussi à partager vos avis si vous avez des idées ou autres. Des conseils, n'hésitez pas à nous les donner. Hein. Il y a plein d'heures, on vous écoute sans problème. Hein. Donc on sait répondre à vos questions, mais on sait aussi prendre vos avis en compte. On fait des lives, hein, c'est vraiment pour pouvoir échanger aussi avec vous, hein, c'est pas juste streamer pour faire plaisir de streamer, hein. Si on peut lier l'échange avec toujours aussi sympa de pouvoir échanger avec nous, n'hésitez pas, hein. J'ai oublié qu'il était large. Là, tu peux dire que j'ai un gros cul. Là, tu peux dire. Là, ce coin-là, ça va, encore un aller-retour, c'est bon, il est fini. Ouais. Après, ça sera l'arrondi qui sera un peu plus long. Ah bah non, il y a encore la droite là-bas aussi à faire. Ça, je le ferai dans la deuxième bande. Du coup, je fais un tour, alors, c'est ça? Un tour. Je suis parti. Ah, ok.
Ouais, je tape les allers-retours en fait. Ouais, je tape les allers-retours. C'est pas de me suivre, enfin, faire le tour, le tourner en haut autour du champ. Normal qu'il ne manque par endroit. Normal qu'il ne manque par endroit. Vers la descente en bas, t'en as pris dans le milieu, non? Oui. Ah oui, dans la descente au milieu, c'est normal. Quand je suis descendu avec la chargeuse, comme je descendais, j'ai continué à remplir. Ah ouais. Et tu m'expliques par contre comment on va ramasser toute cette herbe là, tu la presses? Voilà, tu la presses. Ouais, on va la presser. C'est pour ça que le plateau règle ici. Ouais ben. Par contre aux deux, il va falloir être trop gros non. Une fois que ça va être pressé, va pas là, suivre pour aller vendre, parce que sinon on va se faire niquer. Ouais, ouais, c'est pour ça que je te dis, il faut que je fasse un bon calcul. Savoir ce qu'il faut. Par rapport à... En fait, tout va se jouer par rapport aux animaux qu'on va prendre. Mm. Pour ça, là, c'est juste histoire de lancer les animaux et après, on verra. Bah après, on va déjà bien... récupérer pas mal d'argent parce que les vaches vont nous ramener du lait qui va être vendu au fur et à mesure. Ce qui serait cool avec les vaches, c'est qu'on pourra avoir du lisier et du fumier. Ah bah ouais. Une petite sauvegarde une fois que j'ai récupéré la presse. Regarde comme quoi le 22 il est vraiment juste à côté. On est là, le champ il est juste derrière. Avec les arbres, vous allez pas voir grand chose. Ça vraiment le long du mur, faut que tu puisses mettre le mur d'un dernier après vu qu'il prend la place.
Donc quand je vous dis qu'on est vraiment à côté, hein, le champ est juste en face de moi, du coup il est là-bas en face, et les vaches sont juste ici. Donc. Et les vaches. Voilà pourquoi le 22, on a acheté le 22. Récupérer le petit morceau là, le long de la rupture. Attends, il est fin. Et on est reparti. Donc l'avantage du bel carré, hein, c'est que c'est facile à ranger, mais c'est aussi moins chiant après, c'est même pour les balles en rubané, hein, avec le balcune. Je me régale de faire des balles en rubané. Avant les balles en rubané, on était obligé de les faire avec... Les presses rondes. On était obligé de les faire avec les presses rondes, ouais. C'était un peu chiant maintenant. La plupart de la team, Alpacune, enfin, du moins le season pass. D'ailleurs, c'est peut-être une chose que, qui sera certainement obligatoire, parce que vu qu'on joue principalement avec. Au moins le pack une. Au moins. C'est quoi la petite crotte que tu nous as fait dans le garage? Justement, une petite crotte. C'est la première fois dans ce son, il faut aussi trouver. Ouais, les angles et tout. Ça va, pour une première fois, je trouve que pour les lignes droites, j'ai pas trop. Bah, je trouve qu'il se fait quand même mieux que le 2. Après, il est déjà quand même assez droit par rapport au 2. Ouais, le 2 est compliqué. Hein. C'est vrai que comme celui-là derrière, il paraît simple. Je vois que vous êtes 5 personnes sur le live, bienvenue à vous, hein. N'hésitez pas à faire un petit coucou, ça fera toujours plaisir. Et c'est ce qui est demandé dans le règlement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le règlement, je vous invite à aller le voir sous le live. Ou si vous êtes sur téléphone, à aller plusieurs fois vers la droite, vous allez trouver une case info. Vous cliquez sur le truc, sur la case justement info, et ça va vous donner tout ce qui est règlement et... Et les jeux, les pages, les liens utiles en fait, les liens, les amis streamers, page Facebook, page, la page YouTube. N'hésitez pas à aller voir tout ça, hein, si vous voulez avoir plus de contenu. Tout est partagé sur YouTube. Hein.
L'avantage aussi de ce prêt, c'est que en deux-dessus, pas mal, hein. Ça marche bien. Je trouve qu'elles sont plus maniables en deux-dessus qu'en une seule dessus. Puis, ça braque mieux. Je sais pas si elles prennent plus large, je pense pas, mais... fait déjà moins d'oubli. Je pense pas. Je pense que ça se joue par rapport à la puissance de la machine. C'est sûr que si je baisse pas là... la tête de la presse, ça va être compliqué. Et... bon, j'en ai déjà un chargeur. un plateau plein. Tu me dis si, que je ralentisse, hein, que je fasse pas tout. Amigoud. Amigoud. Si si, il faudrait que tu prennes tout. Par rapport à la mélangeuse. Ouais. Ouais. Je crois que c'est 4 la mélangeuse, non? 4 ou 5. Je trouve que tu peux même monter à 6. En général, j'en mets. Ouais, j'en mets 5. Ouais, donc ça va vite se bouffer, quoi. Bah ouais, c'est pour ça, donc. On peut taper tout le champ, c'est pas un problème. On n'est pas prêt de refaire des balles en rébanier sur cette partie. Voilà, non, en soi, ouais, ça sert plus trop grand chose. Entre les récoltes, entre plus les animaux, comment ça se met bien. Et ouais. Parti de rien, avec 3 tracteurs à 100 chevaux. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, on en a encore un qui va bientôt prendre sa retraite méritée. Ah, en soi, c'est pas vraiment une retraite, c'est vraiment disparaître. Parce que le seul qui a été retraité jusque-là, c'est pas vrai. C'est le tien, ouais, le favori. Donc après ceux qui nous suivent depuis pas longtemps, je vous invite à aller voir les rediffusions hein, des lives précédents. Donc pour cette carrière là, c'est la carrière Team S, donc carrière Team Suivi, qui part de l'EP1, donc épisode 1, jusqu'à aujourd'hui, hein, donc épisode 8. Je vous l'accorde, les premiers lives ont été un peu longs. Après, on a ralenti, mais voilà, ça vous laisse un ordre d'idée sur ce qu'on a fait sur la partie. En étant parti, zéro, un hein, petit, hein, zéro, hein. Trois tout petits tracteurs, dont de la location, jusqu'à arriver maintenant où on a plus de log, je crois, maintenant. Alors d'aujourd'hui, je crois qu'on a plus de log en cours. Et le prêt. On a plus de log, on a plus de. On a eu, si c'est pas de bêtises, trois fois, on s'est servi pour le prêt, entre 250 000 et 300 000. On a fait à peu près trois prêts. À peu près trois prêts qui ont tous été remboursés. Hein. Et là, si on regarde le compte, donc là, il n'y a plus de prêts en cours et on est à 40 715.
Ouais, il faudra vendre un petit peu de récolte. Acheter les animaux. C'est soit on fait ça, ou soit on fait un prêt, mais j'ai pas envie de faire. Après, tout ce qu'on a en stock... Ouais, on a ce qu'il faut. Mais... Sachant qu'il y en a encore à rentrer. Je vais juste aller refaire la bande au milieu, par contre. Et on arrive dans la dernière bande. On finit cette bande là, et après. Et après, bah, je pense qu'on va pouvoir aller vendre quelques aromans de grains. Pour pouvoir acheter les animaux, au moins les vaches. Je pense pas qu'on va acheter les cochons aujourd'hui. Mais au moins les vaches comme c'était prévu. Pour pouvoir terminer le live et sur une note plutôt positif hein, pour finir les objectifs. On devait moissonner le champ, faire de la paille, donc ça c'est fait. On a presque tout pour les vaches. On a l'herbe, on a le foin qui est en cours. Bientôt fini, donc on va pouvoir acheter des vaches et remplir notre deuxième objectif. Toutes les bêtes. On aura rempli notre deuxième objectif de la journée. Ça va foirer. C'est un endroit où t'es pas. T'as plein de Oui, tu peux. C'est pas bon. Tu dis, oh, il fera 3 allers-retours, c'est gratuit. T'as raison, Castor. Après, je vous rassure sur le live, hein, on se charrie, hein, on s'apprécie. On s'apprécie bien, donc. Oh, j'étais pas dit ça n'importe quoi. C'est juste balancer quelques pics, c'est pas gênant en soi. Ouais, tiens, je vais faire un curé, je vais t'en étaler une là, il n'y a pas plus loin. Je l'attendais, c'est vrai. Par contre, tu veux pas represser un endroit parce que j'ai pu. Ils n'ont pas grand chose en herbe. Enfin. Pour pouvoir finir ma bâche. Moi, j'ai plus rien. Je suis à 3658 pour 4000. Ah oui, c'est dommage. Donc voilà. Pour la partie foin, c'est terminé, donc on va déposer ça. D'ailleurs, on a toujours pas de carte sur la vache, il va falloir qu'on en mette. Si, on en a un. On en a un. Tu l'as posé quand? J'étais pas là. Quand j'ai tout acheté. Oh, le chamboule tout, comment c'est tentant. Non, fais pas ça. Et bim. Ah, je t'ai pas vu arriver avec les armes. Ah bah bravo, champion. Tu l'as foutu où ton karcher toi ici? De l'autre sens. Comment ça de l'autre sens? Derrière? Ici. Non, ici. Près de la grange aujourd'hui.
putain, faut le voir. Au moins, ils gênent pas. Non, là, c'est sûr qu'ils gênent pas. T'en as pas besoin, ton tracteur, il est propre, tu t'en sers pas. Non, ben, arrête. Hop. Au forêt, je croyais que tu m'aurais lavé mon tracteur. Bien sûr. Racisme, tout ça parce que je suis noir. Ouais. T'avais qu'à écrire ta main blanc, en fait. Je t'emmerde. Pardon, va chercher les balles qui te restent. Non, j'ai plus de balles. Je vais ranger le plateau. À la grange, t'as raison, va. Ouais, ça c'est bonheur, va, va. Non, va te promener surtout. Ça, ok.